Jetzt freue ich mich sehr, Dustin Hoffmann hier zu begrüßen. Dustin Hoffmann ist Jurist und verbringt sehr viel Zeit in Brüssel, denn er ist Büroleiter von Martin Sonneborn, dem Abgeordneten im Europäischen Parlament. Seit 2014 ist er dort und Dustin Hoffmann hat einen ganz besonderen Einblick erhalten, denn Dustin Hoffmann war vor Ort bei den bisherigen Prozesstagen zum Auslieferungsprozess von Julian Assange und wird uns jetzt dazu berichten. Im Februar und September 2020 wurde insgesamt 5 Wochen lang über die mögliche Auslieferung von Julian Assange verhandelt. Inzwischen liegen gut 400 Seiten Abschlussbericht beider Parteien vor. Und für den 4.1. hat die Richterin verkündet, dass dann eine Entscheidung verkündet oder angekündigt wird. Darauf sind wir gespannt und jetzt freue ich mich sehr auf den Vortrag von Dustin Hoffmann zum Auslieferungsverfahren von Julian Assange. Viel Spaß! Hallo, vielen Dank für die freundliche Einleitung. Ich freue mich auch wieder hier sein zu können, dieses Mal digital und aus London zu berichten. Es wurde ja gerade schon angekündigt, dass ich die Möglichkeit hatte, beide Prozessblöcke sowohl Anfang des Jahres und auch zuletzt persönlich zu verfolgen. Und ich möchte euch jetzt mal mitnehmen in meine Erfahrungen aus London. Ganz kurz, was euch erwartet, damit ihr, wenn es das Falsche ist und nicht interessiert, noch die Chance habt, auszusteigen. Ich erzähle kurz, wer ich bin. Ganz kurz nochmal für die Leute, die mit der ganzen Angelegenheit nicht so vertraut sind, die Hintergründe. Ich versuche das kurz zu halten, weil ich in Zeitnot kommen werde. Möchte ganz kurz, weil ich diese Frage immer wieder gestellt bekomme, erklären, wieso ich dieses Verfahren überhaupt verfolgt habe und wie ich da gelandet bin. Wo verhandelt wurde, in den beiden Blöcken, wann verhandelt wurde, wer da so da bei dem Verfahren beteiligt war. Im wichtigsten Block, welche Auslieferung angeführt wurde. Je vais vous dire rapidement pourquoi weitergeht. J'ai été voir le procès. Je suis Dustin Hoffmann, je suis l'assistant parlementaire de Martin Sonneborn. J'ai suivi la procédure sur Twitter. Je n'aurai pas le temps pour des questions aujourd'hui, mais vous pourrez me les poser sur Twitter, si vous le désirez. Vous avez à l'écran mon pseudonyme sur Twitter. Peut-être que demain serait un bon moment pour me poser ces questions. D'abord, quelques précisions. Pourquoi les États-Unis ont un gros problème avec Julian Assange et Wikileaks? Depuis 2006, Julian Assange est responsable de Wikileaks. Rapidement, c'est une plateforme sur laquelle on peut publier des documents de manière anonyme. En 2010, Chelsea Manning, qui était soldate pour l'armée américaine stationnée en Irak, a envoyé plusieurs centaines de milliers de documents sur la guerre en Irak, en Afghanistan, des dépêches diplomatiques sur Wikileaks. Cette histoire de dépêches diplomatiques est connue sous le nom de Cablegate. Die Regierung im Heimatland informiert ist darüber, was die da so machen und was da passiert. Diese Unterlagen sind dann hat Chelsea Manning dann. Ces documents ont été donnés donc par Chelsea Manning à Julian Assange, puis sont tombés sur Wikileaks. En juillet 2010, cela a commencé avec les documents Afghan War Diary, puis il y a eu des documents sur l'Irak, Iraq War Logs, puis en 2010, les dépêches diplomatiques ont été publiées. Et ce qui est important, c'est ce point.
in allen ist jetzt nicht so, dass sie einfach hochgeladen haben. November 2010. Insbesondere diese US-Depeschen, darauf gehe ich später nochmal ein. Je vais en parler un petit peu plus en profondeur plus tard, mais c'est un moment qui est très important dans ce qui poursuit Julian Assange. 2011 wurden denn diese ganzen US-Depeschen vollständig und redigiert. Puis, en septembre 2011, les dépêches diese beiden diplomatiques ont été publiées dans leur intégralité. Je vais également développer un petit peu sur la manière dont ces dépêches ont été envoyées. Aujourd'hui, il est à Belmarsh Prison, à Londres. Alors, ce qui s'est passé avant. D'abord, en 2010, les Suédois ont envoyé un mandat d'arrêt parce qu'il aurait sexuellement harcelé deux femmes. Und dieses Haftbefehls wurde er im Dezember 2010 in London festgenommen, aber auf Kaution. Plutôt, c'était une histoire de mœurs. Ensuite, en décembre 2010, la police l'arrête à Londres sous caution. En 2012, un tribunal accepte son extradition vers la Suède. Bien entendu, Assange a pris peur et s'est réfugié dans l'ambassade d'Équateur à Londres. Nous sommes là en juin 2012. En août 2012, l'Équateur donne le droit d'asile à Assange. Il est donc légalement emprisonné entre guillemets dans l'ambassade. En 2019, un changement de présidence survient en Équateur et l'Équateur lui retire son asile politique. Il est probable que le gouvernement équatorien ait été sous pression de la part du gouvernement américain. En avril 2019, la police britannique entre dans l'ambassade équatorienne et l'arrête. Une heure après son arrestation, les États-Unis ont demandé que Julian soit extradé aux États-Unis. On peut bien sûr se poser la question, comment était-il possible que les États-Unis soient au courant une heure après son arrestation que celui-ci avait été arrêté. Gegen die Kautionsauflagen. Ich bin kein Experte im britischen in Sachen Verstöße gegen britische Kautions. Le jour même de son arrestation, il a été prononcé coupable et on l'a emprisonné, et ce pour minimum 50 semaines. Je ne suis pas un spécialiste en droit britannique. Mais il est clair que son droit de caution ait été renié. Aujourd'hui, il est dans la prison de Belmarsh, dans des conditions d'emprisonnement quasi inhumaines. Ce qui est incroyable, c'est que il n'a jamais été prononcé coupable pour aucun échec qui est sur lui. Freilassung gegen Kaution ab. Damals war die, was die USA, die Anklageschrift, die die USA damals vorgelegt hatten, war noch lange L'orateur est inaudible. Geht es um ganz konkrete, ganz scharfe Spionagevorwürfe. Kurz vor dem Beginn des zweiten Blocks. À l'époque, les États-Unis poursuivaient Julian Assange pour avoir contrevenu à l'espionnage acte de 1917. Das ist im Großen und Ganzen wahrscheinlich einfach gewesen, um die Verteidigung massiv weiter unter Druck zu setzen, weil die kaum Zeit hatten, sich darauf vorzubereiten. Alors, comment est-ce que j'arrive dans cette histoire? Pourquoi ai-je suivi ce procès à Londres? Dans notre bureau, dans le bureau de Martin Sonneborn, Sonneborn, le député européen,
m'a dit qu'il voulait prononcer un discours en rapport avec Julian Assange. Auch ein bisschen. Okay. Okay. L'orateur est inaudible. Ich habe gerade die Nachricht aus der Regie bekommen, dass l'orateur dit, je viens d'apprendre pas que le son ne passe pas très bien et donc pour sauvegarder la bande passante, je vais désactiver ma caméra. En espérant que la qualité du son s'en trouvera améliorée. À la régie, est-ce que ça marche? Die Regie ist die, ist die, ist die, ist die, es ist, tut mir sehr leid, dass ich kann mir sagen, welche Teile verloren gegangen sind. Ich mach einfach weiter. Also im April 2019 hat mein Chef gesagt, Martin Sonneborn, me dit qu'il veut prononcer un discours sur Julian Assange. Da war doch irgendwas mit Vorwürfen, Sexualdelikte. Je m'y connaissais pas encore très bien. Er meinte nur, ja, et je pensais qu'il était encore poursuivi pour des histoires de mœurs. Et Sonneborn m'a dit qu'il fallait absolument que je me renseigne un petit peu plus. Il y avait des histoires de torture dans son emprisonnement. Je me suis donc demandé ce qui se passait. J'ai lu différents articles et en février, au début de cette procédure d'extradition, und nach politischen Beobachtern nicht gesucht haben, sie haben gesagt, différentes ONG ont commencé à s'intéresser à son procès en extradition. Und davon berichten. Und als weil das dann mit der Pandemie langsam losging, haben wir quelques petites manifestations. Ob ich in seiner Stelle hinfahren kann. Une ONG m'a demandé auch aus, si en raison du Covid-19 je pouvais aller à Londres à leur place. Puisque je suis plus jeune que la personne qui devait y aller pour l'ONG, j'ai décidé d'y aller en son nom et de voir comment se déroulait ce procès et d'envoyer quelques informations sur le procès. Es gibt noch einmal Monat administrative Anhörung, die meistens aber nur 5 Minuten. Il y a eu différentes audiences administratives de quelques minutes. J'ai quelques anecdotes à ce propos. Ihr seht, dass ich dazu geschrieben habe, dass im Februar vous verrez que sur mon diapo que en février il y avait de nombreux observateurs et qu'en septembre l'accès au procès était beaucoup plus restrictif. Il y avait beaucoup de presse en février, il y avait beaucoup d'observateurs politiques, notamment des parlementaires, et en septembre il n'y avait plus personne. C'était vraiment très difficile d'y accéder. Quand nous sommes arrivés en septembre, il y avait des ONG qui étaient présentes et elles ont été scandalisées de voir qu'elles n'avaient pas accès au procès. Et je parle là d'ONG comme Amnesty International. Wieso? Wir haben versucht, Druck zu machen. Am ersten Tag kamen sie nachmittags auf die Besuchertribüne. Aber im Großen und Ganzen elles ont pu am ersten Tag der aller sur la tribune des du public. Mais ça a vraiment été une bataille chaque jour pour pouvoir assister à ce procès. Und diese Zugänge für politische Beobachtung und für die NGOs wurden am ersten Tag der Verhandlungen alle entzogen wieder, sodass die Leute dann da standen und gar keinen Zugang mehr zu nehmen. Es gab ja kaum Plätze auf wegen Covid. Les observateurs n'ont pas pu obtenir l'accès au Christian Mier, der Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen in Deutschland, der sehr, sehr viel Erfahrung hat in der Beobachtung von Gerichtsverfahren überall auf der Welt. Wenn Christian Mier, Journalisten Spezialist dans ce genre de procédure m'a autorisé une interview pour savoir si ça avait déjà été le cas dans d'autres cas à sa connaissance. Et il m'a répondu que je me suis senti plus bienvenu dans des pays comme la Turquie et la Russie que dans ce procès en extradition de Julian Assange.
einen ziemlich kritischen Cela montre bien und une image assez terne. Die wenigen Plätze, die es gab auf den Besuchertribünen, assez sombre de die haben, konnten sie nur bekommen, da haben halt Leute de ce procès. Haben sich morgens des militants ganz ont fait la file très très tôt haben Plätze dann an die NGOs pour, wichtig, dass Reporter ohne devant le tribunal et ont ensuite donné leur place à des ONG comme Amnesty et Reporters sans frontières, parce que sans cela, les ONG n'auraient eu aucune chance pour assister à ce procès. Il y a eu deux endroits où le procès a eu lieu, Woolwich Crown Court et en septembre, Central Criminal Court, c'est le tribunal qu'on connaît comme étant le Old Bailey. Le premier est très éloigné de la ville de Londres. La raison est que le tribunal est juste à côté du tribunal. Il y a un tunnel souterrain qui va de la prison au tribunal. Logistiquement, ça rendait les choses plus faciles. Cependant, ça n'a rien changé. Il était fouillé avant, après les audiences, on fouillait sa cellule, on lui confisquait ses documents, alors que en réalité, rien ne pouvait arriver. Il allait de la prison au tribunal, qui n'était qu'à quelques dizaines de mètres. Voilà une photo du tribunal, c'est un bâtiment assez déprimant. Bedingungen im Gefängnis sind, man hört nichts Gutes. Was soll da sur les conditions d'incarcération, on n'en connaît pas énormément, mais on entend des rumeurs par-ci par-là. Et il y a. On parle de chauffage qui ne fonctionne pas. Voici des photos de ce qui se mange à la cantine. On y voit des traces de moisies. Wie es auf der anderen Seite im Gefängnis et ist. Ça der zweite n'a pas l'air très ragoûtant. An einem sehr geschichtsträchtigen Ort, Old Bailey, im Zentrum der Stadt. En septembre, on était au Old Bailey. Bundesgerichtshof. In Deutschland ist das höchste Strafgericht des Landes. C'est la plus haute cour. Der größte Unterschied zum en Angleterre. Sehr, sehr viel länger gibt und es da sehr viele Leute damals schon noch ihr Leben gelassen haben, als es noch die Todesstrafe gab, als das Gericht ist auch. C'est un tribunal connu parce que beaucoup de gens y ont laissé la vie quand la peine de mort était encore autorisée au Royaume-Uni. Einige kennen das vielleicht noch, wer sich certains se rappelleront peut-être, kann sich erinnern, dass es das Gebäude, was am Anfang des Films de l'explosion du Old Bailey dans V pour Vendetta. Allerdings der historische Teil steht schön da, obwohl es wirklich mal einen Bombenanschlag der IAA darauf gab, es wurde rekonstruiert. Renoviert. En réalité, il est toujours là, clinquant, malgré un attentat de l'IRA il y a maintenant plusieurs dizaines d'années. Schön ist, aber das spielt für das Verfahren selbst auch keine Rolle. Ganz kurz, wer an dem rapidement. Verfahren beteiligt ist, qui natürlich est impliqué dans ce procès en extradition, bien entendu Julian Assange. Ensuite, sitzt am Ende des Raums hinter einer Glasscheibe in einem Dock, dazu erzähle ich gleich noch was. Ihm gegenüber en face, an der anderen Seite an der Spitze sitzt die la juge, Vanessa Vanessa Baretzer. Sie, damit ihr irgendwie ein bisschen einordnen könnt, wie es kommt, diese Gerichtssäle, diese Gerichtsgebäude, in denen verhandelt wurde, haben mit dem Verfahren eigentlich nichts zu tun, weil das ein Verfahren des Magistrate Court ist. Das ist ein District Judge, ein bisschen vergleichbar mit einer Amtsrichterin, also ein kleines Gericht. Diese Gerichte machen normalerweise, die Richterin macht normalerweise anglais, kleine Verfahren. Cette juge fait plutôt des petites affaires. Auslieferungsverfahren auf diesem System beruhen, dass Staaten gegenseitig sich in ihrer Rechtsstaatlichkeit vertrauen. Und sich in die Rechtsstaatlichkeit vertrauen und deswegen meistens, also so ein Land klagt jemanden an, der in einem anderen Land ist, also und sagt dann halt, ja, wir würden dem gerne einen Prozess machen, schickt jemand zu uns rüber und dann sagt man, ja, wir sind ja befreundete Demokratien, wir sind befreundete Rechtsstaaten, deswegen sind diese Verfahren meistens nicht so aufwendig und selten so politisch.
Cependant, das ist in der Sache natürlich jetzt ici, wirklich krass, weil wir haben jetzt eine Amtsrichterin, das hat ja la juge, ihre Kompetenz, aber die entscheidet alleine in einer Aktenlage von über 100.000 Seiten. Toute seule dans une affaire qui la dépasse. Eine Mammutaufgabe. Wir haben im Saal noch die beiden dans la salle, il y a deux, sowohl für die Anklage als auch für die Legale, il y a les parties civiles et les avocats de Assange. La défense. La défense est composée d'Edward Fitzgerald, Mark Summers et Florence Iveson. Pour comprendre comment cela fonctionne, un procès comme cela, il y a des barristers et des solliciteurs. Das sind Anwälte, die so ein bisschen mehr wie unsere Anwälte sind, die machen alle möglichen, die beraten die Mandanten, die machen Schriftsätze. La défense. Machen so die klassische Anwaltsarbeit. Donc les solliciteurs font nur, stehen nur im Gericht und toute sorte de tâches administratives auxquelles on est habitué. Dieses QC an den Namen steht für Queen's Counsel, das ist ein Titel, der wird verliehen für besonders erfahrene Leute. Also wir haben jetzt zwei besonders hochrangige, erfahrene Anwälte auf Seiten der Verteidigung. Ich habe damals ein bisschen recherchiert und gesehen, dass für Edward Fitzgerald in der Branche gilt er als der King of the Edward Fitzgerald, dans la branche, est connu comme étant le roi de l'extraction. Sitzen noch weitere Leute, das il y a d'autres personnes sur le même banc que lui, voici une photo. Jennifer Robinson, il y a Stella Morris, die Madame Morris, Julian Assange, und la fiancée de Julian. Leute von WikiLeaks da. Il y a encore des personnes de WikiLeaks, Joseph Farrell, der Botschafter von WikiLeaks, Rédacteur en chef de WikiLeaks, der Vater von Assange, der sitzt nicht et le père de Julian Assange, qui lui sera assis dans la salle. Die Anklage, also die Vertreter der US-Regierung, James Lewis, Claire Domin, Joel Smith, sitzen da. Und il y a aussi James Lewis gehabt, et Claire Domin et Joel Smith pour les parties civiles. Il y a peu de témoins. Les peu de témoins sont venus, ont été entendus grâce aux visioconférences, puisqu'il y avait le Covid. Il y a toujours eu des problèmes de connexion. Hier nicht allein. Gerade schon ein bisschen angedeutet, wer mit dem Saal sitzt. Das ist der Hauptsaal, in dem die Verhandlung sitzt und es gab einen zweiten Saal. Il y a une salle principale et une plus petite salle dans laquelle il y avait un lien vidéo et c'est là que la presse était présente. Ce qui est absurde, c'est que Julian Assange est tout au fond dans une cabine vitrée sans microphone. Das führt dazu, wenn mal von hinten was reingerufen hat, dass die Presse überhaupt nicht mitbekommen hat. Parce qu'il n'est pas censé parler. Et c'était un peu bizarre parce que parfois Julian a dit quelque chose, crié quelque chose, et la presse n'en voyait rien ou n'en entendait rien puisque la presse n'était pas présente dans la même salle. Alors que dans le. Il fallait donc que quelqu'un se lève, aille voir Julian et dise ensuite Julian a dit ceci ou cela. Pour que la presse puisse rapporter ce qu'il a dit. Was ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe. Das Verfahren, wie gesagt, waren zwei Teile aufgeteilt. Der erste Teil im Februar. Deux parties donc. Das waren en février, Tages, quatre jours. In denen wurden im Großen und Ganzen die Schriften. Où on a présenté les documents. Beide Seiten haben ihre. Als Folge. L'orateur Alessio de Connexion. Das haben wir um das Dokument. Il est strictement interdit de faire des photos. C'est pour ça que je n'ai pas fait cette photo, j'ai trouvé cette photo sur Twitter. Je voulais vous la montrer parce que, comme ça, vous pouvez voir à quoi ressemble l'endroit où était assis Julian depuis la tribune des observateurs. Il y est avec un garde. Je dois dire que l'acoustique de la pièce était terrible. Die Pressevertreter, weil der Raum so nicht groß genug war, waren in so einem Baucontainer. La presse était dans un sorte de container à l'extérieur où il y avait un lien vidéo direct. Die unmittelbar direkt ins Mikrofon gesprochen hat. Hat man da nichts mehr verstanden. Si la personne ne parlait pas directement dans un microphone, la presse n'entendait rien. Vorgetragen wurden gegen das. Das Problem war, dass die Akustik selbst im Saal en plus, si on ajoute l'acoustique déplorable, hey, für den Hauptteil des c'était vraiment très difficile.
Herr Assange nicht mit uns sitzen? Kann er nicht bei uns sitzen? Wenn er was hat, dann können wir uns direkt austauschen, dann wissen wir direkt Bescheid. Also war das, immer wenn er irgendwas will, muss er hinten quasi sich erkenntlich zeigen, dann muss jemand sich umdrehen, weil die Leute gucken ja auch, alle gucken nach vorne. Autre particularité, Julian était assis derrière. Die Seite der Anklage, die Vertreter, et personne ne le voyait. Warum nicht? Also, ça veut dire que si vous voulez dire quelque chose, il fallait qu'il fasse signe. Il fallait déjà qu'on le voit. Et puis ensuite, on envoyait quelqu'un pour dire, voilà ce que Julian vient de dire. Ja, nee, schwierig, weil wenn er nicht mehr on a demandé sitzt, dann, de le déplacer pour qu'on ait plus de contact avec lui et la juge a répondu que c'était pas possible pour diverses raisons logistiques qui n'ont pas été entendues par l'interprète. Den nächsten Tag vertagt, wo sich dann herausgestellt hatte, dass es nicht stimmt. Also die, er kann mit den Leuten, er kann mit seinen Anwälten sitzen. Er muss dafür keinen Kautionsantrag stellen. Il ne doit pas faire de demande. Dann meinte die Richterin, pour also, être avec ses avocats. Gibt's nicht. Er sitzt et la so, gibt da keine Probleme. Juge a décidé qu'il allait rester dans cette petite pièce. Das dauert halt länger. Wir haben ja Zeit und das Verfahren geht so lange wie nötig. Es wird niemanden sans surprise, dass das im zweiten Teil des Verfahrens plötzlich dans la deuxième partie de der absurdeste la procédure, Teil, l'ambiance était encore moins bonne. Sagen wollte, er wollte seine vorne hat sein Anwalt son avocat, zur Richterin gewandt, hat gesprochen et und er wollte irgendwas zu seinem Anekdote devant l'avocat derrière Julian. Wir sehen das natürlich nicht, weil alle nach vorne gucken und da konzentriert sind. Julian voulait dire quelque chose et quelqu'un a vu dans la tribune du public que Julian voulait dire quelque chose et le public a fait signe, quelqu'un s'est retourné, est allé le voir, puis la personne est revenue. Et a déclaré, a dit ce que voulait Assange. Et là, la juge a dit, vous voyez, ça marche très bien. Alors que tout ça n'a fait que compliquer et ralentir la procédure juste parce que on ne voulait pas que Julian soit ait un contact avec le reste du public. C'était complètement absurde et personne, moi compris, n'a compris pourquoi on a il y avait une telle hostilité envers le fait que Julian soit assis avec ses avocats. Den Hauptteil des Verfahrens im September, der knapp vier Wochen lief, und da geht es ensuite, um die pendant inhaltlichen Positionen. Quatre semaines, on a parlé des différentes positions. Deutlich machen, pourquoi Julian Assange ne doit pas être extradé. Était la position de la défense, bien entendu. In dem stehen différentes raisons. Warum jemand nicht pourquoi on extrade, on ne devrait pas extrader. Par exemple, quand la procédure est politique, quand la santé de l'individu ne le permet pas. Il y a aussi d'autres raisons, comme les traitements inhumains dans les prisons américaines, ou encore une l'orateur est inaudible. Das ist nicht Bestandteil dieser Sache, aber wir haben auch einige technische Sachverständige gehört, die Sachen erklärt haben, wie ja, wie funktioniert eigentlich, wie wird ein Passwort in Windows generiert und gespeichert? Wie kann man sowas knacken? Wann ist es Diskussion technique sur welche Sachen sind knackbar? Sowas haben wir auch gehört. Chiffrement et le décryptage des mots de passe. Da ging es mehr darum, dass wir überhaupt verstehen, was möglich le ist, hacking, was möglich war, die technischen Hintergründe ein bisschen besser general, verinnerlichen. Ist mir nicht so gut gelungen. Ich weiß immer noch nicht, wie es funktioniert. Ich hoffe, dass das Gericht da. Et les explications n'étaient pas assez compréhensibles pour moi. J'espère que le tribunal comprendra mieux que moi. Für viele der Zuhörer. J'imagine que pour mon auditoire aujourd'hui, tout cela sera beaucoup plus compréhensible. Wie läuft es ab? Also ich spreche die ganze Zeit vom Zeugen, kurz, das ist vielleicht ein bisschen verwirrend. Les témoins. Spricht, gibt es Fact Witnesses und Expert Witnesses, deswegen spreche ich die ganze Zeit von Zeugen. Im Deutschen würde man quasi bei Zeugen wahrscheinlich eher von Leuten sprechen. En Allemagne, on parle des témoins comme étant des personnes qui ont directement vécu les choses et les experts sont les personnes qui connaissent les choses. Deswegen habe ich das nochmal da hiermit aufgenommen. Ces personnes, die Leute, die da aufgerufen wurden, die meisten von der Verteidigung,
die wenigsten von der Anklage. Était surtout présent pour la défense. Die haben ein schriftliches Statement vorbereitet. Une déclaration écrite. Und dann hat die Seite, die sie aufgerufen hat, in der Regel die Verteidigung, hat einen Moment Zeit, um mal durchzugehen, Hauptpunkte aufzugreifen, pour le lire, pour en discuter, avec le témoin ou l'expert. Dann werden die Leute von der Gegenseite question, puis les questions de la partie adverse arrivent. Ça peut durer 4 heures. Und das war teilweise sehr, sehr intensiv. Die Anwälte, die Anklage sich da les avocats hat, haben teilweise eine sehr spezielle Art und une manière très particulière d'interroger les témoins. Je ne sais pas à quel point c'est normal. Man muss sich vorstellen, dass mais il faut se dire que beaucoup d'experts sont des pointes, sont des personnes très connues, très pointues dans leur domaine. On essaie de les faire passer pour soit soit on essaie de faire croire qu'ils n'y connaissent rien, soit on essaie de leur faire dire que ils ont un biais envers Julian. Ce sont des professeurs d'université, ce sont parfois des experts, des personnes vraiment très très connues dans leur domaine. Et ça avait vraiment l'air très intense. Il y avait un professeur en neuropsychiatrie qui a dit à un moment dans son... Cet expert en neuropsychologie a déclaré à un moment dans son interrogatoire qu'il ne se trouvait pas là à un examen d'université. On parlait de la dépression et les personnes de la des parties civiles étaient en train de le cuisiner, hein, il n'y a pas d'autre mot, sur la définition de la dépression. Et à ce moment-là, le professeur a dit, écoutez, je suis un expert, je ne suis pas ici à un examen final. La dépression est quelque chose. On parle là de définitions qui sont tout à fait admises. Das ist ein Punkt, den ihr sicherlich alle schon mal gehört habt. Parlons de la motivation politique. Analysieren, wie oft la guerre du journalisme Twitter Journalisten angreift, menée par Trump. Einen Professor da für Journalisten, il y avait Mark Feldstein, der relativ am Anfang, der hat dann einfach mal eine qui a raconté une histoire Trump gewählt comme wurde, quoi lors de l'élection de Donald Trump ist, offen hat und gesagt hat, dass es irgendwie hier mit diesen ganzen Leaks und den Whistleblowern, das geht alles nicht. Der FBI-Director Comey hat dann damals gesagt, ja, Trump pourrait we should be putting a head on a stick. Trump pourrait déclarer qu'il faudrait faire un exemple de Julian. Trump damals soll darauf geantwortet haben, ja, vielleicht sollten wir Journalisten. Plutôt, quelqu'un aurait dit à Trump que Julian Assange devrait être mis à mort pour l'exemple et Trump a déclaré que, aurait rétorqué que c'est les journalistes qu'il faudrait mettre à mort pour l'exemple. Ganz losging. Also ich glaube, dass das es war interessant, das aus einer wissenschaftlichen Perspektive zu hören, auch von der Laienperspektive ist es sicherlich so, dass wir alle mitbekommen haben, dass Donald Trump als Präsident einen anderen Umgang mit der Presse pflegt als seine Vorgänger. On a bien vu que Trump avait des relations un peu différentes que ses homologues avec la presse. Il était intéressant de voir cela à l'œuvre. Um nochmal deutlich zu machen, woher dieser Groll auch kommt, gerade in dieser Whistleblower-Geschichte, gerade der Groll gegen mais Wikileaks. La grogne contre Wikileaks, gehört, die gesagt haben, wie wichtig die Arbeit bien surtout ist du fait que Wikileaks est très important pour le journalisme d'investigation. Wir haben einen Professor gehört, hat gesagt, dass die Kriegsführung von Nationen sich geändert hat, weil es inzwischen die... Un professeur lors d'une audience a dit que das nicht geklappt hat, die Öffentlichkeit darüber zu täuschen. Conflits entre États-nations ont changé à cause de Wikileaks parce que
les États n'arrivent plus à cacher aussi bien la raison pour la guerre. Sind die Zahlen der zivilen Todesopfer um 15.000 nach oben korrigiert. Wikileaks a également permis de corriger le chiffre des victimes civiles de la guerre en Irak de 50.000 et ce vers le haut. Und das, c'est bien entendu très désagréable pour la coalition. Lässt sich dadurch auch erklären, warum sie da keine. Voilà pourquoi ce ne sont pas de grands fans de Wikileaks. Wir sollten als Zeugen hören, Khaled Al-Masri, un deutschen Staats. Était également présent. L'orateur est inaudible. Aus dem Dock reingerufen, passiert wird, weil Khaled Al-Masri ist ein Khaled Al-Masri est victime de torture de la part des Américains et c'était au même moment tatsächlich bewiesenes Folteropfer. D'un autre, au même moment, on aurait pu confronter les autorités américaines à un autre cas de torture. Je voulais vous parler de ce cas pour montrer. L'orateur est inaudible. Je voulais vous montrer comment des publications comme celle de Wikileaks peuvent influencer des États-nations. Er 2000, Ende 2003, l'orateur est inaudible. Ohne Angabe von Gründen wurde er 3 Wochen festgehalten. Er durfte sich weder bei der deutschen Botschaft melden, weil sie ihm nicht geglaubt haben, dass sein Pass echt sei. Er durfte keinen Anwalt. Er durfte keinen Anwalt kontaktieren. Emprisonné pendant 3 semaines. An der Stelle wurde er. Il a été torturé. Personne n'a contacté son ambassade en Allemagne alors qu'il avait un passeport allemand. Aber das war erst der Anfang der Tortur. Après 3 semaines, wurde er on l'a à l'aéroport. Dort haben ihn des hommes Männer masqués l'attendaient. Erwartet. Seine Kleidung wurde ihm vom Leib geschnitten, ihm wurde eine Windel eingesetzt. Il a pris ses vêtements, lui a mis une couche. Und er et il s'est retrouvé dans un avion. Wieder, wurde verschleppt und dann, wie er später herausgefunden hat, taucht er puis in Afghanistan. Il s'est retrouvé en Afghanistan, dans une prison secrète américaine. Pendant des mois, il a été torturé, interrogé. Und das war eine Verwechslung. Also, sie haben das la mauvaise personne. Ils se sont trompés de personne. Ensuite, il a fait une grève de la faim pendant 34 jours. Et à ce moment, ils savaient déjà qu'ils avaient la mauvaise personne. Mais ohne irgendeinen Kontakt zur Außenwelt. Ils ont continué à l'interroger, à le torturer, à l'emprisonner. Pendant ces 34 jours, ils l'ont nourri de force par le nez. Mit einer Nasensonde zwangsweise, das ist unglaublich. Deswegen sage ich extra Nasensonde, weil Sondenernährung hört. Je parle exprès du fait qu'il a été nourri par le nez parce que c'est très douloureux. Et donc il a été nourri de force par le nez. Ensuite, quelqu'un est arrivé qui a déclaré qu'il s'appelait Sam. On ne sait pas qui c'est, mais ensuite, Khaled Al-Masri a été libéré. On lui a interdit de parler de ce qui lui était arrivé parce qu'on l'avait à l'œil. On l'a mis dans un avion masqué, donc il ne pouvait pas voir où il était. Mais visiblement, les langues parlées autour de lui étaient des langues slaves. Puis on l'a mis au bord d'une route, on lui a dit « Ne te retourne pas, tu marches tout droit ». Sein Tod sein wird, sein Ende sein wird, die werden. Et si tu te retournes, on te tue. Und haben sie nicht. Er ist um die Ecke gegangen, da standen 3 Polizisten. Er hat dann herausgefunden, dass er il a marché tout droit. Des policiers l'ont retrouvé et il se trouvait qu'il était en Albanie. Seine Frau ist in die Niederlande gegangen, sein Haus war leer. Weil ihr Mann, der hatte Frau und Kinder, die waren alle weg. Die wussten, der Mann war plötzlich weg, der war verschwunden. Und dann ging der große Kampf für Gerechtigkeit. Ensuite commença le combat pour l'égalité. Er hat sich einen Anwalt genommen, der ihm am Anfang gar nicht glauben wollte. Niemand hat ihm geglaubt.
Und hat dann in Deutschland und in den USA en Allemagne, aux États-Unis. Il a travaillé avec des journalistes, d'investigation pour essayer de trouver la justice. Il y a eu des procédures contre différentes personnes de la CIA. Rien n'est arrivé. Quasi wo gehobelt wird, fallen noch Späne. Die das ist da passiert. Und das Krasse, ce qui est incroyable, et là où Wikileaks joue un rôle très important, c'est que dans les dépêches diplomatiques, on a découvert que les gouvernements allemands savaient, au moins au moment où il est rentré en Allemagne, que c'était la mauvaise personne qui avait été incarcérée. Später kam auch heraus, dass die US-Regierung, also aus den Unterlagen war dann auch ersichtlich, dass die US-Regierung Druck auf die Bundesregierung ausgeübt hat. On a également vu que les Américains avaient fait pression sur le gouvernement allemand gegen diese CIA-Agenten pour ne pas révéler le nom de ces agents de la CIA. Sehr, sehr schmerzhaft. Évidemment, c'est grave. Dann halt herauskommen, wie sie in dem Fall sogar ihre eigenen gouvernement Staatsbürger in den Rücken fallen, also für die Deutschen. Si celui-ci ne peut pas protéger ses propres ressortissants. Wir haben als ein schriftliches Statement noch bekommen von Dean Yates, une déclaration écrite de Dean Yates, qui en 2007 der Leiter der Reuters était le dirigeant de la station Reuters à Bagdad. Reuters, Reuters c'est une agence de presse. Et à l'époque, il était présent au moment où la vidéo que vous connaissez peut-être sous le nom de Collateral Murder. C'est une vidéo où on voit un hélicoptère Apache mitrailler des civils et dont deux journalistes de Reuters. Il a déclaré qu'après cet événement, il était en contact avec des militaires américains. Il leur a montré un morceau, un extrait de la vidéo. Et les militaires ont dit écoutez, on pouvait rien faire, on pensait que c'était des combattants. Et aucune réparation n'a jamais été obtenue. Und da hat er dann gesehen, dass das alles überhaupt nicht so war. Das Video ist wirklich nur schwer erträglich anzusehen. Diese Piloten gratulieren sich die ganze Zeit gegenseitig. Visiblement, verspotten die Leichen. Ce n'était pas un extrait de la vidéo qu'il avait montré, mais plutôt, il leur avait demandé comment ces journalistes étaient décédés. Lorsqu'il a vu la vidéo, nicht so war, wie dieses dargestellt hat, und diese Verwechslung eher abwegig ist. Und voir la vérité. Dean Yates hat dann quasi für sich realisiert, dass er da getäuscht wurde die ganze Zeit. Er leidet bis heute darunter, leidet unter einer posttraumatischen Belastung. Und seine ganze Familie ruiniert. Und durch Wikileaks hat er dachte die ganze Zeit, ja, da hätte man was machen können. Die haben sich vielleicht falsch verhalten. Und ich habe selber bin selber. Pensait avoir fait une erreur. Il pensait que ces journalistes s'étaient mal comportés et que ces personnes étaient en train de faire quelque chose de mal et donc elles avaient trouvé la mort alors qu'en réalité elles étaient victimes d'un crime de guerre. Mit diesem auch dem Maskefall mit Folter in Afghanistan. Die US-Regierung hat daraufhin reagiert und Sanktionen gegen die Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichts zu verlassen. J'ai oublié de dire que dans le cas Al-Masri, le régime américain a procédé à une enquête et une éventuelle enquête sur les juges de la Cour pénale internationale. Das Wertvollste war, mit dem sie gearbeitet haben, weil das quasi Sachen ermöglicht hat und sie dadurch auf Sachen gekommen sind, auf die sie unmöglich ansonsten gekommen wären. Und nur so als kleine Übersicht, das zeigt so, wie wichtig das für die Öffentlichkeit ist. Il est important de voir à quel point Wikileaks est important pour la société civile. Sowohl im Irak als auch im Afghanistan-Krieg hat die US-Regierung immer so getan, dass Gouvernement cache des choses à leurs citoyens. Auch wenn wir selber gesehen dans le cadre de la guerre en Afghanistan et en Irak, on a bien vu que les Américains n'arrêtaient pas de dire que tout se passait pour le mieux, et en réalité, tout était faux. On a bien vu leurs exactions dans ces guerres. Dans le cas de la motivation politique, il y a aussi la chronologie qui est importante. Also nach diesem Spionage
Oh, Typo. Auf diesen Spionage, diese Spionage. Sur cette accusation d'espionnage, il est important de souligner que pendant l'administration Obama, auch schon ermittelt wurde, aber keine Anklage. Des enquêtes avaient déjà eu lieu, mais aucune accusation. Die gesagt haben, dass das daran lag, dass n'en est sorti. La raison est que l'administration Obama avait peur de créer un précédent. Die ganze Pressefreiheit und journalistische Arbeit qui pourrait poser question sur la légitimité de la liberté de la presse. L'administration Trump n'a pas eu cette peur. Um jetzt zu verstehen, diese Sachen mit der Veröffentlichung der Unterlagen auf anderen Plattformen, müssen wir nochmal kurz reingehen, wie ist es eigentlich, la publication dass des documents dass sur d'autres plateformes, plötzlich das WikiLeaks, nicht plötzlich das WikiLeaks, die unredigiert veröffentlicht. Faut dire que ce n'est pas WikiLeaks qui les a publiés avec toutes les Unterlagen bekommen haben. Sans aucune censure. WikiLeaks eine mehrere westliche Medien lorsqu'ils ont reçu ces documents, WikiLeaks a contacté des médias occidentaux. On a décidé de voir ces documents tous ensemble et seuls ceux qui devaient être les noms keine Quellen, keine, devait être censuré pour ne pas mettre de pour ne mettre personne en danger. Was jetzt passiert, ce qui est passé, c'est que Julian Assange a envoyé des fichiers cryptés ohne das Passwort unknackbar, also unknackbar à la presse, also im Rahmen unserer heutigen technischen Möglichkeiten. Ce qui s'est passé, c'est que David Lay, un journaliste du Guardian, a écrit un livre sur ces événements. Et puisqu'à l'époque, WikiLeaks avait toujours été la cible de attaques de piratage, ces fichiers ont été copiés. Plus tard, ce journaliste du Guardian a décrit comment Julian lui a donné le mot de passe au fichier. Mündlich erklärt hat. Und dieser Journalist hat das komplette Passwort. Ce journaliste dann a révélé le mot de passe en entier. Und das hat eine Weile gedauert. Und irgendwann gab es einen Artikel im Freitag, der gesagt hat, quelques temps, Datenleck, es ist eigentlich, wenn man eins zu eins zusammenzählt, kann man diese ganzen Unterlagen. On s'est rendu compte que on pouvait déchiffrer le fichier, l'intégralité des fichiers. Direkt, parce que le mot de passe était sorti. Dieses Datenleck, es könnte sein, dass da was passiert, es könnte sein, dass da was kommt, seid vorbereitet. Die haben ihn aber abgewimmelt und sich dann nicht weiter damit beschäftigt. Jedenfalls hat es dann einen Moment gedauert. Après quelques temps, wurden die kompletten unredigierten, ungeschwärzten Unterlagen auf der Seite tous les documents non censurés se sont retrouvés sur le site cryptome.org. Die Seite ist auch eine ce site est hébergé aux États-Unis. Dort sind die Unterlagen bis heute abrufbar. Tous les câbles y sont encore aujourd'hui et personne hat jemals sich von der du gouvernement américain ne s'est jamais tourné vers les personnes qui hébergent ce site en leur disant qu'il fallait effacer ces fichiers. Und nachdem die Sachen da veröffentlicht wurden, hat WikiLeaks die Sachen auch veröffentlicht. Aber ce n'est qu'après que WikiLeaks a décidé de tout publier sans masquer les noms. Et ce qui est étonnant, c'est qu'aucune procédure n'est en cours contre Cryptome. Ces câbles sont également encore disponibles sur le site archive.org, que vous connaissez certainement sous le nom de Wayback Machine. Et là aussi, gegen WikiLeaks in il n'y a absolument aucune procédure contre archive.org. Il n'y a qu'une procédure contre WikiLeaks. Voilà pour la motivation politique de cette procédure à l'encontre de Julian Assange. Auch entscheidend für die Entscheidung sein könnte, ist eine mögliche Nichtauslieferung wegen des Standes. Hatten drei Tage im Verfahren medizinische Sachverständige und Gutachten gehört. Das war ein bisschen anders als sonst. Die Schriftlichkeit.
Nous n'avons pas pu obtenir de documents sur l'état de santé de Julian. Weil es geht hier um Hüsp, deswegen werde ich selber auch mal oberflächlich behandeln. Ich habe das alles gehört, aber la raison est que c'est très personnel. Kindheit, ja, Kinder, alle möglichen Angelegenheiten, die jetzt für uns. Les personnes qui sont concernées sont des proches, des familles, la famille. Et ce n'est pas Suizid, deswegen an der Stelle nicht privé. On parle là de dépression, de tentative de suicide. Wer empfindlich ist und das nicht gut ab kann, würde ich empfehlen, vielleicht 5 Minuten was anderes zu machen. Aber es ist pour l'enquête, c'est tout de même important et donc je déconseille aux personnes qui sont sensibles à ces questions de dépression et de tentative de suicide d'écouter ces prochaines minutes. Diagnostiziert hat. Das ist eine Autismusform, die in, hier an der Stelle bestellt sich die Frage, ob das angemessen behandelt wird. Dans son rapport de santé, on parle de forme d'autisme, ce qui peut être important pour son incarcération aux États-Unis. Ensuite, on lui a diagnostiqué une dépression. Elle est épisodique et elle dépend beaucoup de ses conditions d'incarcération. Depuis Belmarsh, il a dû être amené 2 fois à l'hôpital. Ist man so gut wie isoliert, kann man keinen Kontakt zu anderen Leuten. Sein gesundheitlicher Zustand, sein mentaler gesundheitlicher Zustand ist da massiv. À Belmarsh, il ne pouvait pas avoir de contact. Il était très suicidaire. Leute aus dem Krankenhaus haben ihn als lebenden Geist. Les personnes à l'hôpital l'ont décrit comme étant un fantôme. Insbesondere im Kontext, ambulant. Was man in den USA erwarten könnte, haben die Leute große Angst. Er hat extreme Angst vor den von einem. Il a très peur de l'extradition et de l'isolation, de l'isolement. Schlecht darauf reagiert. Geschichte. Einen Professor da, den hatte ich vorhin schon erwähnt. Le professeur que j'ai mentionné, professeur en psychologie que j'ai mentionné plus tôt, spécialiste en neuropsychiatrie, und hat ein Gutachten geschrieben. Und in dem Gutachten hatte er erwähnt, dass Julian Assange sich für einen möglichen Suizid an der Rasierklinge organisiert hat. Que il, Julian s'était préparé au suicide grâce à une lame de rasoir. Pendant l'audience, il a eu un moment très bizarre. James Lewis. L'accusation a dit au professeur, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de rasoir? On n'en parle même pas dans les rapports médicaux. Est-ce que c'est possible qu'il ait juste imaginé ça? Pourquoi est-ce que personne n'en parle? L'accusation a donc essayé de sous-entendre que Julian Assange avait menti et que la défense avait inventé un papier. Den Bericht der beiden Gefängniswärter bei einer Zellendurchsuchung die Rasierklinge in der gefalteten Unterwäsche von Julian Assange gefunden haben. Also es gab sie und er hat seinem medizinischen Gutachter gegenüber mehrfach betont. Il y a bien des preuves, diese, comme quoi Julian avait caché une lame de rasoir dans ses sous-vêtements et ce, dans un rapport de fouille. Copeman war besonders intensiv, und insbesondere weil die ganze Zeit auch da wieder versucht wurde, seine Expertise in Frage zu stellen. De nouveau, ce professeur a vu, remis en question son expertise, alors qu'il est professeur au King's College tout de même. Anwalt hat gesagt, ja, haben Sie, vielleicht hat er ja, vielleicht überhaupt irgendwie vernünftig überprüft. Ich habe 2 Tests gemacht, zum Beispiel den TOMM-Test, T-O-M-M, und da meinte Lewis, ja, aber das ist doch gar nichts, hat doch gar nichts mit Simulieren zu tun, das ist doch, hat doch mit der Test gar nichts damit zu tun, und dann meinte Kuppelmann, Entschuldigung, aber TOMM ist ein Akronym, Test of Memory Malingering, Lingering ist quasi medizinisch Simulieren. Un test a été également remis en question par l'accusation, alors que c'est un test bien reconnu par la profession médicale. Il a toujours eu des moments comme cela, jusqu'au moment où le professeur s'est énervé et il a dit, je ne suis pas ici à un examen d'université. Vous faites comme si je ne savais pas de quoi je parlais, alors que vos assistants m'ont appelé de nombreuses fois pour me poser des questions. C'est
un moment assez bizarre. Der Anklageanwalt an der Stelle wirklich bloßgestellt war. Rote aus dem Verfahren, zurück zu der, zum tragischen gesundheitlichen Zustand. Der ist. L'état de santé de Julien est si grave, Statement, das ist ein wörtliches Zitat, que, beendet hat. Monsieur Koppelmann, le professeur en neuropsychologie, a déclaré, je répète, je suis aussi certain qu'un psychiatre puisse l'être que s'il est extradé, Monsieur Agence trouvera un moyen de se suicider. Er bei hoher Suizidgefahr im schlechten gesundheitlichen Zustand nicht ausgeliefert werden darf. En principe, si son état de santé ne le permet pas, il ne devrait pas pouvoir être extradé. Et cette lame de rasoir aura un véritable rôle à jouer dans son procès en extradition. Das kann man nicht ausblenden. L'orateur est inaudible. Was drauf gucken müssen am noch möglichen unmenschlichen Behandlungen im US-Gefängnis. Parlons des traitements inhumains dans les prisons américaines. Deux témoins. In den Ländern gibt es offiziell keine Isolation. Officiellement, il n'y a pas d'isolement, mais il existe des SAM. Special Administrative Measures, mesures administratives spéciales. Bei denen die Angst besteht, dass sie Informationen haben, die eine Gefahr für die nationale Sicherheit darstellen. Und on pense qu'elle détiendrait des informations essentielles à la sécurité de l'État américain. Allerhand Dokumente hat, nicht veröffentlicht hat, die, wo er möglicherweise. Julian Assange n'a pas publié tous les documents qu'il avait en sa possession. Als solche, also als Gefahr eingestuft. Certains documents qu'il jugeait trop dangereux n'ont pas été publiés. Die ehemalige Gefängnisleiterin des MCC, Metropolitan Correctional Center in New York, gehört. On a entendu. Das Gefängnis kennt ihr vielleicht, da saß auch, das ist ein Pre-Trial-Gefängnis. Also la directrice du MCC à New York, c'est là où il y avait El Chapo. Kürzlich auch Jeffrey Epstein. Et Epstein, avant er, nicht mehr qu'il meurt. Und sie, die Frau hat dann zum Beispiel erzählt, wie die SAM et la directrice expliqué comment est-ce que fonctionnaient les SAM. Die Leute waren 23 Stunden 23 heures par jour sind 23 dans leur cellule. In ihrer Zelle. Mangent dans leur cellule, sehen keine anderen Gefangenen, pas d'autres détenus, und für les gardes ne parlent pas, et pendant une heure, dafür werden il y a une période récréative où ils sortent dort dürfen sie im Kreis dans une autre cellule et ils peuvent tourner en rond. Sie dürfen kreislaufen, eine Stunde lang und dann kommen sie wieder avant de revenir dans leur cellule. Das ist quasi die Nicht-Isolationshaft, Special Administrative Measures. Voilà comment se passe la détention en non-isolation. Da haben wir die Anwältin von Abu Hamza. On a entendu les avocats de Abu Hamza. Die hat berichtet, dass der wurde aus dem britischen Staatsbürger, der wegen Terrorangelegenheiten in die USA abgeschoben. C'est un citoyen britannique qui a été extrait aux États-Unis pour des motifs de terrorisme. Da ist eigentlich der kommt bestimmt nicht in Supermax. On a dit qu'il n'irait certainement pas dans des prisons de haute sécurité, il n'y aurait pas le SAM. Il a été extradé. Trois semaines plus tard, il était en SAM. Nach seiner Verurteilung wurde er im Supermax-Gefängnis en prison de haute sécurité, où il est depuis 5 ans. Sams wurden kürzlich wieder les SAM ont été renouvelés parce qu'il a écrit une lettre à son fils dans laquelle il dit à son fils de dire à son petit-fils qu'il l'aime. Et pour cela, on l'a remis en SAM. Der Mann hat keine Hände, die hat er schon vor vielen Jahren verloren. Und hat mal darum gebeten, dass ihm jemand die Fußnägel schneidet im US-Gefängnis. Hat 9 Wochen gedauert. Und das ist ja nicht nur eine ästhetische Sache, sondern kann auch sehr, sehr schmerzhaft sein. Die Zeit eilt davon. Ich möchte noch ganz kurz le temps passe vite. Dazu gab es letztes Jahr schon von Andy. Je vais donc aller rapidement der Botschaft, Botschaft UC Global. Julian Assange. Surveillance de l'ambassade par UC Global. Wir haben die Aussagen, schriftliche Statements von il a été surveillé de manière massive lors de son séjour dans l'ambassade. Deren Chef hat gesagt, ja, wir sind jetzt in die Premier League aufgestiegen und
hat irgendwann mal gesagt, nachdem er in den USA war auf einer Reise, dass sie jetzt auf der dunklen Seite sind. Haben die Mitarbeiter die Kameras ausgetauscht in der Bootsstraße. Wollten die Kameras installieren, die auf les caméras de sécurité ont été changées pour avoir des caméras avec le son. Fuck. Wenn das denn jetzt nicht gleich wieder... Es wurden selbst technisch nicht ging. Sie haben dann überall Mikrofone installiert, im Badezimmer und im Konferenzraum, am Feuerlöscher, insbesondere da, wo halt die Gespräche mit Mikrofone Anwälten dans les... Es wurde gesagt, dass die Gespräche mit Anwälten priorisiert aufgenommen werden sollen. Die Sicherheitsleute am Eingang haben die Visa der Anwälte überprüft, sind die Pässe durchgegangen, haben Fotos davon gemacht, um zu sehen, wo die Anwälte sich aufgehalten haben. Les avocats étaient également surveillés, on a documenté des empreintes digitales d'Assange dans l'ambassade. Es sollten Aufkleber an der Mann, der Mitarbeiter sollte einen Aufkleber an die Fenster machen, damit die von außen mit Lasermikrofonen. On a mis en place des microphones laser. Der Chef, le chef berichtet, Morales, dass in die Anwaltsbüros von der Vertretung von Assange eingedrungen wurde. Avait dit qu'il faudrait cambrioler les bureaux pour voir ce qui s'y trouvait, ce qui s'est d'ailleurs passé quelques jours plus tard. Les gadgets électroniques des avocats ont été copiés. C'est un krasser Krimi, die c'est un véritable roman d'espionnage. Weil bei dem David Moore Seriennummer gefunden wurde. Über die kompletten Jahre hinweg wurde Julian Assange und seine anwaltliche Kommunikation massiv überwacht, aller Voraussicht nach oder sehr deutlich von den von Seiten der USA. L'orateur est inaudible. Steht hier in Frage, ob das überhaupt noch ein rechtsstaatliches Verfahren ist, wenn die Gegenseite über Jahre hinweg die anwaltliche Kommunikation ausgerollt hat. Les communications des avocats étaient également surveillées. Ja, ganz kurz zum Abschluss, wie geht's weiter? Alors, que va-t-il se passer à l'avenir? Actuellement, les déclarations écrites sont traitées, 400 pages. Les juges vont donner leur avis le 4 janvier. Ich habe darum gebeten, dem 4. Januar beiwohnen zu können, um auch den letzten Tag zu hören. J'ai demandé à Yet, weil ich jetzt dann am Endeffekt auch der einzige permanent anwesende politische Beobachter. Je serai donc le dernier, la seule personne à avoir tout vu dans cette procédure, mais la juge a décidé que je n'aurais pas le droit d'y assister, d'autres personnes, d'autres observateurs ne pourront pas non plus y être, d'après la décision de la juge. Mais j'espère que nous pourrons suivre tout cela avec attention. La régie me dit que je dois arrêter de parler. Dem Wunsch werde ich nachkommen. Und comme je l'ai dit, je vais conclure mit den Argumenten, die hier gekommen sind, die gesundheitlichen Sachen, die Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit. Cet argument, l'état de santé, le côté politique de Julian et ne permet et l'illégalité de son extradition devrait être assez pour empêcher son extradition. J'ai essayé d'être le moins biaisé possible. Nach dem Abschluss des Verfahrens kann ich mich dem Schlachtruf anschließen. Je eine Entscheidung für avec plaisir le cri Free Assange une fois que la procédure sera terminée. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation, Dustin. Malheureusement, nous n'avons plus de temps pour des questions-réponses, mais au début, Dustin avait déclaré qu'il ferait une session pour le RC3 et il va en donner les détails sur son Twitter. Bravo Lima November ist sein Twitter-Handle, DH
HBLN. Dort Dustin folgen. Vous pouvez aller le suivre sur Dustin sur Twitter pour lui poser des questions si vous en avez. Ich glaube, dieser sehr spannende Vortrag hat mehr Fragen. Je pense qu'évidemment, cet exposé a ouvert plus de questions qu'il en a refermé. Merci d'avoir écouté Dustin Hoffmann. Ensuite suivra une présentation sur la reconnaissance faciale. Bonne soirée.